Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes au sommaire. Une performance satisfaisante, c'est ce que la Côte d'Ivoire a réalisé concernant sa mise à niveau par rapport au texte de la zone UMOA. Exécution qui a été saluée par l'institution. Dans ce journal, direction l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire où le pays de l'oncle Sam a célébré le 248e anniversaire de son accession à l'indépendance. Et à Ara, dans le Moronou, les maires ont été célébrés. Retour sur cet hommage dans cette édition. 85,5%, c'est le taux d'exécution réalisé par la Côte d'Ivoire dans le cadre des réformes politiques, programmes et projets communautaires de l'UMOA. Performance qui a été saluée par le président de la commission de l'UMOA lors de la 9e édition de la revue annuelle des réformes politiques, programmes et projets communautaires de l'instance. Ce qui est remarquable dans cette performance de la Côte d'Ivoire, sur ces trois composantes, la Côte d'Ivoire est à plus de 80%. Dans chacune des composantes, la Côte d'Ivoire est à plus de 80%. Donc, ce qui signifie, disons, un mouvement d'ensemble, une homogénéité dans la performance. Donc, je pense que c'est ce que nous recherchons dans tous les États de l'Union, qu'on ait des performances qui soient, cohérentes, harmonisées, pour que cela ait plus d'entrain, plus d'efficacité dans ce que nous voulons faire en matière d'intégration. Ces résultats témoignent des efforts considérables déployés par la Côte d'Ivoire pour aligner ses réformes et projets sur les objectifs communautaires de l'UMOA. Malgré cette performance, les autorités ivoiriennes sont conscientes des défis à relever. Le Premier ministre, Robert Begré-Mambé, a rassuré le président de la commission de l'UMOA de l'engagement du gouvernement ivoirien en ce qui concerne les efforts dans le domaine de l'application et de la transposition des textes communautaires. Juillet 1776, 4 juillet 2024, 248 ans que les États-Unis d'Amérique ont accédé à leur indépendance. Plusieurs membres du gouvernement ainsi que des personnalités influentes, sans oublier la communauté américaine de Côte d'Ivoire, tous ont fait le déplacement autour du thème « Winning Together, Champions United ». Nous sommes ensemble pour célébrer un jour important ainsi que l'amitié avec la République de Côte d'Ivoire. Et pour faire une lumière à la paix durable, nous élargissons notre coopération en matière de sécurité pour que Américains et Ivoiriens vivent dans la paix et la sécurité. Le thème a parfaitement résumé l'esprit de cette soirée marquée par l'unité, le partage et la célébration de valeurs communes. Je veux donc me réjouir de notre volonté commune de paix à la dynamisation de notre coopération bilatérale. Cette volonté de venir ensemble et de renforcer le cadre normatif de notre coopération s'est matérialisée au début de cette année 2024 par la signature de trois accords stratégiques dans le domaine de la coopération opérationnelle entre les armées des pays, l'application de la loi maritime, la mise en œuvre de la manipulation d'informations par les États étrangers. Cet événement a non seulement commémoré l'histoire des États-Unis, mais a également jeté les bases pour un avenir prometteur entre les États-Unis et la Côte d'Ivoire, fondé sur une coopération mutuellement bénéfique. C'est la fin de 2 mois d'efforts intensifs. Les étudiants de l'ISTC Polytechnique ont brillamment présenté la synthèse de leur travail de pratique professionnelle. Ce projet collaboratif, réunissant des étudiants des 5 écoles, témoigne de la diversité et de la richesse des compétences acquises. Nous avons eu à faire des travaux durant 2 longs mois. Travail où il fallait faire vidéo, affiches, site web. Il y avait 3 agences qui ont été créées et à la fin, nous avons fait la fusion de toutes les agences. Je pense que depuis mon parcours, depuis la licence 1 jusqu'à la licence 3, nous avons appris beaucoup. Et nous sommes la génération sortante. Nous espérons que nous pourrons nous mettre dans le monde du professionnalisme. C'était vraiment de la fierté que j'ai ressentie, en fait. Pendant ces 2 mois, nous avons trivé, nous sommes allés sur le terrain, nous avons rencontré plein de difficultés, mais ça ne nous a pas empêchés de briller aujourd'hui. Et vraiment, c'est une grande joie pour nous, c'est une grande satisfaction de voir que ces 2 mois ont porté leur...
Pendant ces 2 mois d'efforts, ils ont dû faire face à des difficultés financières, rendant l'expérience encore plus exigeante. Pourtant, leur détermination et leur résilience ont prévalu, permettant de livrer des projets de qualité. Les conditions dans lesquelles nous avons travaillé étaient un peu difficiles, d'accord? Parce que, bien vrai qu'on veut des productions de qualité, mais il manque assez de financement. Donc, c'est vrai qu'il y a eu un petit fonds pour permettre de faire quelque chose. Mais avec mes camarades, nous avons déversé énormément d'argent pour produire ce que vous avez eu à voir. Cette expérience pratique est une étape cruciale dans leur formation, préparant efficacement ces futurs professionnels à relever les défis du monde du travail. Des bouteilles de gaz, des ustensiles de cuisine et bien d'autres présents ont été offerts aux femmes d'Ara lors d'une cérémonie tenue le dimanche 30 juin à l'esplanade du centre culturel Henri Conan Bédier d'Ara. C'était à l'occasion de la fête des mères. Dédié pour vous célébrer. Célébrer celles qui, par leur amour inconditionnel, leur patience et leur dévouement façonnent l'avenir de nos familles, de notre communauté et de notre beau pays. Les mères ont une place unique et remplaçable dans nos vies. Elles sont nos premières enseignantes, nos premiers soutiens et souvent nos plus grands modèles. Arlette Badou a une partie qui est brûlée. Cette partie qui est brûlée, je fais partie de cette partie en question. Et c'est un détachement minime de cette partie que vous voyez. Quand vous la voyez, c'est votre fille. Quand vous la voyez, c'est votre mère. Quand vous la voyez, c'est votre soeur. Ce que vous pouvez faire pour tous les gens qui parlent ici, vous représenter, pour nous, pour que nous soyons fiers, c'est de la soutenir. Un hommage initié par la mairie en collaboration avec l'Association des femmes du département d'Ara. Des animations culturelles, des prestations d'artistes ainsi que des danses ont meublé cette journée dédiée aux femmes de la ville. C'est la fin de cette édition du 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur cette info et sur cette info.ci.